Bonjour à tous et bienvenue sur LGC la chaîne. Nous sommes le samedi 2 novembre. Nous sommes au Bataclan, au plein milieu de cette fosse du Bataclan. Cette fosse absolument historique. Concert, anniversaire, 40 ans. En vrai, ça fait 45, mais 40 ans de carrière de la légende Reddy Amici. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est en direct sur la chaîne ou en différé pour ceux qui nous suivent en retard. Let's go! Yeah.
Avec une habituée maintenant de la Grande Causerie, une artiste qu'on apprécie beaucoup. Je te laisse te présenter pour ceux qui t'auraient oublié. Tracy La Cayenne. On t'a vu en première partie, Tracy. Qu'est-ce que ça te fait de faire la première partie de cette légende? Ça me fait des frissons, ça me fait des yéyéyé, ça me fait des duki-duki. Non, c'était trop bien. Faire la première partie pour un grand comme Reddy Amissi. Donc, papa n'a pas besoin d'avoir eu Kabanzé, Bobomengo, Atakalabana, Nigeria, Baoye, Bate, Soy, Baoko, Makoto. Donc, c'est moi, j'existais même pas. Donc, pour moi, j'ai grandi, j'écoute Reddy à travers de mon père. Et pour moi, c'est Eza Honneur, Yamakasi. T'as joué Paradis, ta propre chanson, tout ouais. Le monde a apprécié, tout le monde t'a validé. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait des yéyéyé. Non, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Franchement, je savais pas, Naïba était Soki Bakoyemba parce que déjà, public baza, moi, Mikolo. Donc, je savais pas, mais on dirait Mikolo, c'est Yangonde Makam. Donc, Bangonde Makam, c'était trop bien. C'est quoi la suite pour toi maintenant, Tracy? La suite, vers février, mars, avril, album. On a fini déjà l'album, c'est fini. Il n'y a que des fits, il n'y a que 2-3 fits, on attend. Il y a quelques fits, on a déjà fait il y a quelques jours là. Et ouais, l'album, le clip, clip, il y a qualité, il y a Kitoko. Et après, juste tourner, concert. Ok. Bêta. C'est super, ouais. C'est parfait. On a senti ce concert-là beaucoup d'émotions. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti au-delà de l'aspect professionnel? J'imagine que c'était beaucoup de stress, on va venir dessus après, mais qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion durant ce concert-là? Franchement, bon, c'était pour moi une première, hein, tu vois, ces musiques-là personnellement, je n'écoutais pas personnellement. Et vivre, tu vois, cette mouvance, cette adrénaline, c'est quelque chose de très beau.
très beau, vraiment, tu vois, ton son est là, ça veut dire Paris à Kala. Ouais, ouais, ouais. Franchement, toi, quand t'entends tes hommes te parler, etc., le vivre, c'est quelque chose. On a senti beaucoup d'unité pendant ce concert-là, t'as le même ressenti. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'artistes, tout le monde était ensemble. Franchement, c'était très peace, très play, pas de bagarre, pas d'embrouille, franchement, plaisir. D'un point de vue professionnel, est-ce qu'il y a eu des stress à un moment donné? Il y a toujours, j'imagine, voilà, la peur d'eux, mais vous êtes des professionnels, vous savez ce que vous faites. Est-ce que rien de particulier ou pas du tout? Non, franchement, ça va. Après, on va dire le vieux de base, bon, il était là pour jouer, donc ça n'était pas dans des chichis, etc. C'était vraiment, vraiment simple. Ouais, l'organisation la plus simple possible. Franchement, c'était carré, il n'y a pas de prise de tête. Le dernier mot, il est pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire après ce concert-là, après tous les concerts que tu fais? Que tu vas encore faire, on sait que tu as plus de dates que nous, tu as plus d'exclus que nous, on le sait très bien, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Non, bah, qu'on continue et qu'on a toujours dit LM Camp Prochaine, c'est voilà la solution. Et je pense que les œuvres sont là et on a plus besoin de trop parler. Quoi. Les joueurs savent qu'on a la qualité, qu'on va donner un certain son grâce au concert, on sait qui on appelle. Super, bah, je te remercie, BDG. Merci. Et on enchaîne, là, c'est un honneur pour moi. Je suis avec ma grande sœur dans le milieu. Gladys, ouais. Qu'est-ce que ça te fait de la conférence de presse, les préparations, les réunions, les ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que ça te fait? C'était intense, vraiment très intense, beaucoup de stress, un gros challenge parce que c'est une façon de faire revenir sur la scène un artiste, une légende qui n'a pas presté depuis de longues années. On connaît la situation, on connaît ce qui s'est passé et c'est toujours un gros coup de stress, se dire est-ce qu'on va y arriver ou pas, mais on l'a fait et c'était une réussite en tout cas. Toi, en tant que professionnel, tu viens nous donner ton ressenti. En tant que mélomane, qu'est-ce que ça te fait de le voir sur scène, de kiffer ses chansons, de voilà, il y avait de la famille. Énormément de plaisir, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions que ça s'est ressenti à travers le public. Et puis le retour aussi des personnes, même des plus âgées, il y en a qui ont versé des larmes. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est beaucoup de souvenirs aussi qui remontent, donc c'est un très, très beau spectacle. Les derniers mots pour toi? Bah, une autre date en fait, c'est tout. Ok, super, voilà. Je te remercie. Sans prie. Les masters, vous m'avez piégé la fois dernière. Hein. Alors, mais qu'est-ce qu'il prouve que tu vas faire? Si c'est l'âge, j'en sais rien, mais je sais, ma musique n'a pas d'âge. Tu as dit que c'était ta deuxième naissance, tu l'as dit aussi sur scène. Oui. Maintenant que c'est fait, l'accouchement il est passé, comment tu te sens? Ah, je me sens comme un enfant. Je suis très très heureux, je suis très enchanté. Et voir que 31 après, la dernière fois que je fais le concert ici, ça remonte des 31 ans. Et je suis revenu, que l'ambiance est toujours là, la flamme est toujours là. Donc je suis vraiment heureux, je remercie du fond du cœur mon entourage. Entre autres, Veritas, elle a beaucoup travaillé tout ce qui est communication. Et vraiment toute l'équipe, quoi. Je dis merci. On a vu beaucoup de brassage au niveau de la génération. Il y avait ma mère, il y avait des oncles, il y avait des tantes, il y avait des très vieux, des très jeunes. C'est ça, Reggie Amis, ta musique n'a vraiment pas d'âge, on l'a vu aujourd'hui. Je vous avais dit hein, la fois dernière, je vous ai dit, moi, il n'y a pas, voilà, y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'enfants. C'est tout le monde, quoi. Puisqu'il y a un message, en fait. Moi, je véhicule un message. Je suis un moraliste. Je fais passer les messages, j'encourage les gens, je parle du mariage, je parle de l'injustice, je parle de la prudence. Donc, tous ces thèmes-là, quand tu écoutes, donc voilà, lorsque Reddy joue, tout le monde se retrouve. Ta maman, ton père, ton papa, ta maman, tes oncles, je pense que c'était le cas. Oui, oui. Il y avait tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde. Les membres de la famille. La toute dernière question, qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant pour la suite? Mais l'équipe, il faut nous souhaiter que l'équipe puisse faire autre chose. Il faut qu'on puisse aller de l'avant. Puisqu'on a commencé au rez-de-chaussée, j'estimais qu'il fallait jauger, puisque ça faisait longtemps. Nous, les gens de Viva, Aurélie a mis tout seul avec son groupe, ça remonte de 24 ans. Et retourner en France, à Paris, et faire un concert comme ça, ça donne envie d'aller encore plus haut que maintenant. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite et on sera là pour t'accompagner en tout cas. Merci. Je te remercie beaucoup. Merci. Félicitations. Il est 22h35, le concert s'est terminé il y a 5 minutes. Le concert s'est terminé à l'heure. Exceptionnel, des légendes, des baobabs sont venus sur scène. On a eu un mélange de générations, on a eu un artiste survolté qui l'a dit lui-même. C'était sa renaissance. Il l'avait dit en conférence de presse, il l'a redit sur scène. Voilà, il est né deux fois. Sa deuxième naissance, c'est aujourd'hui.
quoi qu'il arrive, c'était historique. Le Bataclan sold out, les gens ne veulent pas partir. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Encore une preuve qu'il faut absolument pas rater les concerts congolais. On se retrouve sur LGC la chaîne à très 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 bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.